Hey, Nekfeu, j'étais chum. Nekfeu, ça va commencer. Pour des mes jeux pour la PlayStation. Oh, oh. C'est Nekfeu, ça? Ouais, c'est Nekfeu. Je t'ai passé. Tu vas connaître. Ok. Tu vas connaître, ferme ta gueule. Tu vas connaître. Franchement, t'allais le voir aussi, donc voilà. Tu vas voir Nekfeu, soir? Bah ouais. Ça fait plaisir. DJ Kato aussi. Bisous. On vous embrasse. Bonne soirée, vous aussi. Peut-être tout à l'heure. Bienvenue à la Magnific Society, on est là pendant 3 jours, on va faire découvrir le festival, mais d'abord, équipons-nous des ustensiles d'un bon festivalier. Merci. Et... petite fessée sur... comme ça, hop. Et hop. On arrête les comptes. On remballe la baraque et. On la baraque. Et c'est terminé, bonsoir. On met pause là au chronomètre là. Ouais. C'est peut-être le concept du festival sans rappel. C'est peut-être ça. C'est fier en fait. Il devrait l'appeler comme ça, le festival sans rappel. Le festival sans rappel. C'est, en plus, c'est beau. Mon petit internet, aujourd'hui on se retrouve sur le stand de la petite society où certainement après je vais me faire maquiller la beubare et certainement avoir une petite couronne de fleurs. Mais avant ça, on va faire un concours de double pédale. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien finalement le concours de double pédale, c'est juste tu as une minute avec deux petites pédales sur une batterie pour taper le plus vite possible. Hop hop hop. Moi je dépêche là le marmot. Pas de foutre quoi. Ouais. T'as une minute. Jusque là ça j'ai compris. T'as une minute et après tu dois mettre le plus de coups et faut pas s'arrêter. Alors, attends. Dès que tu mets un premier coup, ça va partir. Ouh putain. Tu peux essayer un peu si tu veux, avant. Salut. Non, on va y aller direct. Moi, je suis dans l'instantané. Les jambes qui se tendent, là. Allez, encore 10 secondes. Allez, de tout, maintenant. Encore. C'est la fin. Dans tout. 587. Wouh. Et bah, pour une première... C'est pas si mal. Merci. Bravo. Je suis extrêmement sportif, il faut savoir. C'est faux. C'est du labello? Ouais. Incroyable. Et ça tient à la paillette? Ouais. Génial. Je te fais toute la balle. Ouais, ah ouais. Oh bah bien sûr. Ça. Oh ouais, c'est l'air bien moche. Ah oui. Après, on peut faire un mélange de plein de choses. Hein. On va faire comme on peut. Ça peut être dégueulasse. T'as droit à quoi, toi, du coup? Merci ouais, aux deux bénévoles, Erwan, qui nous. T'as droit à un petit mot? Ouais, je veux un petit mot, mec. C'est sympa. Mais avec E, mais je sais pas qui c'est. Si, je sais ce qui vient de se passer devant nous. C'est qu'en fait, là, tous les gens qui sont venus sur le stand, en fait, ont laissé un petit mot de remerciement à chacune des personnes qui sont occupées. Donc là, en fait, ils sont en train de faire la distribution de tous les gens qui ont laissé un mot à chaque personne. Donc il y a eu un Erwan qui doit être et un inconnu. Et voilà, donc chacun récupère son petit mot. Et là, Mehdi Baba vient de passer et il s'en est royalement battu les couilles. Et ça, c'est génial. Excuse-moi. Ça va? Je suis très déçu que tu n'aies pas la barre colorée. Bah, peut-être que tu peux m'en mettre. Voilà. Bon festival. Terrible. Et toi aussi. Est-ce qu'on pourrait, pour rigoler, faire un petit bisou esquimau? Ah non. Comme ça, non? Tu veux c'est pas mettre le skimo, c'est pourquoi? Parce que j'ai tellement de sueur sur le nez. Pas de soucis, genre, j'aurais aimé, mais voilà, tant pis, merci. On s'est pris un vent. Et tout ça en filmant. C'est énorme. Est-ce qu'on peut m'expliquer l'intérêt du jeu? Il n'y en a pas. Ah, très bien. Faire, on est sur de l'impro. C'est de l'art qu'on veut pas voir, ça. 13 et quoi? 13-48. Oui. On est sur un œuvre d'art quand même, monsieur. Oui, la route, on se serait écrasé par les. On était sur l'élite de la sécurité, hein. C'est marqué dans son dos. Tu as goûté? Attends. En fait, ce que tu fais, si j'ai bien compris, c'est que tu abuses les jambes et tu fais comme ça. Sans doute, les gens verront rien. T'as bien raison. Moi, j'ai dansé un peu la ruche. En vous versant une goutte de bière à chaque fois à côté.
c'est un peu mon talent. Sexe, drogue, aujourd'hui, les travers de la musique techno. Le dernier cauchemar, c'est Arnaud Robinet, en fait. Mais... c'est un peu Batman et Bruce Wayne, on ne sait pas trop. Quoi. On dira jamais. Tout le monde sait. Monsieur, est-ce que je peux vous faire un bisou esquimau? Oui. Non, interdit. Incroyable. Oh, mais c'est complètement compliqué avec le match. C'est génial, merci beaucoup. Pris en pleine action. Quel enfer. Non, je suis professionnel avant tout. Elle est pas mal. Je suis assez fier. J'ai aucune idée. J'espère beaucoup. Tout à l'heure, on essaye, mais on n'y arrive pas. Ah, mais là, peut-être pas. Mais elle est super. Ah oui. Allez. C'est bon. Allez, on a une belle photo. Ouais. Super. Elle est belle comme tout. C'est vrai que celle-là, elle est pas mal. C'est bon. On a eu toutes nos photos. On s'est même fait des amis. Et franchement, le point partenaire, c'est pas mal. Super danse. Bon ben là on ressort du coup de la petite society, les filles sont super sympas, c'est adorable. Ça se met un peu dans l'ambiance du festival et du coup pour un peu s'échauffer, on va aller voir ce qui se passe au petit karaoké. Ils seront loin, nous croirons avoir rêvé, mais pour l'instant ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis. Ah oui, ça se connaît. Voilà de la boulette, sortez les briquets, il fait trop tard dans vos têtes. Oh ouais, je leur raconte un vrai de l'école. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mon code, on m'a dicté mais le rap. Voilà de la boulette, sortez les briquets, il fait trop tard dans vos têtes. Et après, quelqu'un connaît ou pas? Eh bien voilà, et c'était un très beau moment. Il aime la queue pour aller à la petite boîte. Tu me dis quand on change? Ah oui. Oh le bisou envoyé. Et là c'est re la boucle. On va trouver de quoi s'enjailler. Hein. On est là en ce moment même dans le temple des gamers. Un peu gamer sur les bords. Et du coup, on va essayer de trouver quoi, game aise avec des gens. Ou seul. Après mon expérience karaoké, finalement, seul c'est bien aussi. Tu viens peut m'aider? À l'aide. Tout le monde s'en fout. Énorme. Allez, on va voir. Mon petit Paul. Oui, mon petit. On s'est amené au Tokyo Space ici, donc toutes les salles d'arcade de jeux vidéo. Et là, on va faire du Just Dance, une petite bataille. Si ça te tente, bien évidemment. Allez, c'est parti! Oui! Ah! Elle nous fait un! Elle a vu ça! Merde! C'est une grosse tête! Ah! Perfect! Mais j'ai raté! Je crois que j'ai gagné! Je l'ai explosé. On va laisser la place aux autres. C'est bien les pauvres. Je pense qu'on n'a pas choisi la plus simple. Comment? On n'a pas choisi la plus simple. Et non, en effet. Et pour la peine, un bisou non, paillette. Non, 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 non. Un bisou paillette. Un bisou Manu. Oh oui. Voilà, c'est bien joué. Enfin, j'ai une barbe, je ne suis plus un enfant. On voit rien, c'est dommage. Bonsoir. Jean-Michel Michemuche. Aujourd'hui, on va aller trouver des gens dans le public et leur poser leurs questions existentielles que jamais ils ne se sont posées dans leur vie. Mais aujourd'hui, leur réponse est admise par la boule magique. Peut-être que les gens auront une révélation de vie. Par exemple, que souhaites-tu le plus du monde? Pardon? Que souhaites-tu le plus au monde? Qu'on arrête le nucléaire, Tchernobyl, Fukushima, tout ça, il y en a assez. On veut plus avoir des déchets nucléaires sur cette putain de planète. La réponse n'est pas à toi, mais à cette boule magique. Je vais devoir t'éclairer parce que sinon la réponse tu l'auras jamais.
Alors attends, j'éclaire, tu la secoues. Attends, ah merde, j'ai merdé. Voilà, tu secoues la moule. Voilà, et là tu la retournes et tu regardes si ça va être faisable ou pas. Ah, non, c'est pas faisable. Bon, à la vie, j'ai deux crevés. C'est pas pour demain finalement. Est-ce que tu veux savoir ton avenir? Dis-moi. J'ai la boule magique. Louise, viens ici. Louise, viens faire la boule magique. Louise, s'il te plaît. Louise, bordel. Est-ce que demain, je serai heureux? C'est une question très basique. Là, faut tapoter un peu parce que... Ouais, le truc est un peu merdé. C'est comme un clito. Oh, si on veut. Attends, on va le faire. Ah oui. Non, mais il n'a pas l'habitude. Il n'a pas de doute. Demain, tu seras heureux. Oui, les scientifiques du monde entier se sont réunis et ont dit ça, c'est la vérité. Ok. Est-ce que ce soir, j'ai pécho? C'est la grosse question. T'es prêt ou pas? Grosse question. Allez, active le clito, là. Oui. Ah, ça se semble vraiment bien fait. Il a dit oui. C'est, il a pas dit oui, mais il a dit soir, ça, ça semble bien. Genre, tu es bien parti pour. Est-ce que tu vas quoi du coup? Je dis, est-ce que je reviens l'année prochaine? Ah. Ah, les étoiles ont dit, non. Non, non, mais c'est. On sera pas de palais. C'est les étoiles qu'on dit. Hein. Là, ce soir, on est un petit peu dégoûté. On a une fleur sur l'oreille, mais on n'a pas la couronne. Donc, allons vers des gens qui ont plein de couronnes et allons compenser ce qu'on appelle le seum, finalement. Par la boule magique qui va faire tout le travail pour nous et leur dire genre votre vie c'est de la merde et nous ça va. Lâche-toi. Ah vite. Est-ce que ça va commencer? Ah bah pose-la maintenant. Est-ce attends que ça va commencer? Mais non, il faut que tu la secoues toi-même. Et ça c'est pas mal de faire. Est-ce que ça va commencer? Vas-y, retourne. Je sais pas, c'est en anglais. Mais c'est bon. Oui, attends, attends, je peux très bien, mais je vois pas. Je crois que c'est non. C'est bon, on a le temps. C'est bon, on a le temps. On a le temps, on peut le faire. Vite. Est-ce que je vais pas réussir à me lever demain pour aller travailler? Ah, c'est une très bonne question. C'est l'autre côté. Et il peut pas le dire maintenant. Et il peut pas le dire. Il faut attendre une heure, je crois. Vite. Pas une question. Est-ce qu'on va retrouver Quentin? Est-ce que tu vas me payer une bière gratos? Ah oui, ça c'est vrai. Ah, c'est un yes! Oh, yes! Yes! Non, yes! Non, non! Bon, voilà, c'est la fin de la Magnifique Society. C'était quand même vachement bien. En vrai, il y avait plein de trucs, plein de concerts. C'était méga cool. J'espère que ça se refera l'année prochaine. Il y a de grandes chances. Mais il y a eu plein d'artistes, il y a eu plein de gens sympas. Il y a eu des débordements comme dans tout festival, mais il s'est passé des choses quand même assez cool. Et c'est un festival qui mérite d'être vécu. Et voilà, je pense qu'en vrai, venez à Reims, venez voir la Magnifique Society. On va. Vas-y. Et c'est vrai, on va à l'after finalement. Viens, monsieur Payette. Merci. On va à l'after. Bah, viens, des bénévoles finalement, c'est ça? Bah, avance. On va à l'after. Le temps il passe, hein. Merci. Le temps passe, mais. Comment elle est violente? C'est pas tout. C'est pas tout, mais c'est pas tout, mais le temps passe. Oh, tu veux que je te lèche? Oh, c'est nul comme blague. On est dans les off des off de la soirée de la Magnificence. C'est la réservée aux bénévoles et certainement aux partenaires peut-être, à la rigueur. Mais on est sur la soirée et on ne devrait clairement pas être. Mais nous y sommes car sympathie, contact, voilà, on est un peu comme ça, tu sais. Et là, on arrive avec tous les gens qui ont fait que ce festival existe, et qui est très bien, et que nous, on n'a rien fait, mais nous y voilà. C'est ça un peu la vie. Allez.